Mais t'es sérieuse? Mais c'est bon, mais j'ai froid là! Ok, alors là, on a repéré un suspect. Mais... c'est une peluche. Pouvez-vous enlever votre écharpe? On ne vous entend pas. Une journée habituelle? Bah, vous savez, je commence comme tout le monde par me lever. Ensuite, je m'assieds sur le bord de mon lit. Je prends sur ma table de nuit mon petit désinfecteur de main et je me désinfecte les mains. Ensuite, je prends mon petit désinfecteur de nez et je me désinfecte le nez. Ensuite... Vos passe-temps préférés? J'adore faire les mots croisés, car je trouve ça très instructif et en même temps, ça repose l'esprit. J'adore faire des sudoku, exactement, car je trouve que c'est pas mal parfois de pouvoir réfléchir un petit peu. Et aussi, mon passe-temps préféré, eh bien, j'ai des feuilletons télévisés, figurez-vous, comme le meilleur des super-héros, ça c'est bien. Vous savez, vous me demandiez tout à l'heure d'où venait mon traumatisme. En fait, ça ne vient pas d'un accident de travail. Sinon, il aurait été remboursé par la sécu. Non, en vérité, c'est un accident qui s'est passé chez moi. Vous savez, nous les super-héros, nous sommes toujours très affamés, car nous passons notre temps à sauver l'univers, alors nous avons des frigos gigantesques. Eh bien, en voulant attraper une petite salade d'endive tout au fond de mon frigo, mon chien malencontreusement... Enfin, j'espère qu'il ne l'a pas fait exprès, et passé derrière la porte du frigo et l'a refermé. Je me suis retrouvée totalement piégée dans le frigo. Et vous savez, moi, je n'ai pas de proche chez moi. Je n'ai pas de proche, alors personne ne pouvait se rendre compte que j'étais enfermée dans un frigo. J'ai passé 3 jours dans ce frigo. 3 jours! Votre meilleur souvenir? C'est quand Superman m'a invité à manger chez lui. C'était vraiment super. Par contre, j'ai pas pu venir. C'est pas très grave. Il y a Catwoman qui est venue à la place. Enfin, de toute façon, en même temps, entre Catwoman et moi, vous voyez bien, c'est qui la meilleure. Ça se voit quand même. Hein. C'est quand même différent. Hein. Capacité requise pour être super-héros. Alors, tout d'abord, on est super-héros ou on ne naît pas super-héros. C'est pas un métier pour n'importe qui. Hein. Si je serais née pas super-héros, je serais restée au ventre de ma mère, quoi. J'aurais pas pu, hein, c'est impossible. Je sais pas comment les gens y font pour vivre sans super-pouvoir. Il faut exploiter ses capacités au maximum. C'est très important, pas de scrupules. Pour les personnes qui débutent en tant que super-héros, je vous dis une chose, prenez exemple sur moi, vous voyez, j'ai mis 10 ans pour faire ce métier et vous voyez le résultat, hein, c'est très parfait. Que pensez-vous des super-héros d'aujourd'hui? Je pense que la génération d'avant, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. En ce moment, ça commence à se redresser, mais là, c'était vraiment n'importe quoi. Vous voyez, Spider-Man, par exemple, se fait piquer par une araignée? Allô, quoi? Le mec, il a des pouvoirs, ça devient vraiment n'importe quoi. Et après, il y a quoi? Batman, il se fait mordre par une chauve-souris. Et ouais, et il commence à voler le mec. Et Catwoman, elle se fait griffer par un matou. Non mais vraiment là, et elle a des super pouvoirs. Super! Ça devient vraiment n'importe quoi. Vous voyez, moi, c'est parfait. Je suis née avec mes pouvoirs. La drogue. Aide-t-elle les super-héros à stimuler leur pouvoir, comme pour les sportifs? Madame. Non, absolument pas! C'est totalement inacceptable! Attendez,
Le jour où quelqu'un prend de la drogue, surtout un super-héros, il passe du côté obscur. Donneriez-vous votre vie pour un innocent ? Ça se fume, ça ? Je vous repose la question. Non. Parce que la plupart du temps, on se fait payer, en fait, pour sauver les innocents. Et, bah en fait, si je suis mort à la place de quelqu'un qui m'a payé, je pourrais pas profiter de l'argent. Allô ? Ok, on arrive. Laureline, aide-moi. Yes, c'est bon. En secours ! Alors en fait, il y a un souci parce que pour faire les collants de super-héros, j'ai récupéré des collants dans mon placard. Sauf qu'ils sont trop petits. Et du coup, je vais devoir couper le bout pour pouvoir enfiler mes pieds. Ça coupe rien, ces ciseaux-là. En même temps, c'est des ciseaux à papier, mais bon... Mais fais des ciseaux de gaucher, donc tu mets dans ta main gauche. Comme dans les films où ils coupent leur cordage, là. Ah, voilà. Je suis pas sûre que ça passe, hein. Ça passe pas, putain, c'est les cuisses. Ça passe pas. C'est les cuisses. Je trouve pas les manches. Yeah. Et là, elle est allée entre les deux. J'étais en train de viser ça. Elle est allée là, voilà. C'est nul. Katniss Everdeen en approche.